Ici, c'est quoi le défaut? C'est quoi le piège? Tantôt, je vous ai tendu un piège à tous. Je l'ai posé, j'ai tendu le piège, je l'ai corrigé. Puis là, je me dis, non, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il est luminaire? OK. Il manque un peu de luminosité. Comme chambre des maîtres, est-ce possible? Non. Pourquoi? Pas de garde-robe. Ça se fait. Je peux faire une garde-robe, ça se fait. Mais c'est un bon point. Pourquoi? Chambre des maîtres, c'est le maître. Tu vas avoir une vue d'ensemble. T'as une fenêtre restrictive. Où est-ce que ta vue est plongée? Tu peux pas voir ce qui se passe en bas. Lorsque tu fais la visite, tu vas le savoir si ton agent, c'est un expert ou c'est un professionnel. Okay. J'aurais pu dire, c'est une chambre. Oui, mais c'est la journée que tu vas vivre dedans. Il va y avoir, les premiers jours, il va y avoir quelque chose qui te bug. Les premières semaines, c'est beau, t'es en amour. Alors, après un mois, deux mois, il y a quelque chose qui te fatigue parce que, venez voir les gars, t'as toujours une vue, mais tu vois pas en bas qu'est-ce qui se passe, crime. C'est pas une chambre des maîtres, ça, arrêtez. Le mot le dit maître, tu veux dominer. Expert, professionnel, big difference.